Comme j'ai vu que vous kiffiez les 24 heures sur la chaîne, j'ai décidé d'en refaire un aujourd'hui et dans ce nouvel épisode, je vais devoir manger des bonbons et uniquement des bonbons, je n'aurai le droit à rien d'autre. Bon, j'aurais quand même le droit de prendre à boire, faut pas abuser non plus. Wesh, c'est qui m'appelle alors que je suis en plein tournage? Ouais Antoine, qu'est-ce qu'il y a? Ouais allô, est-ce que t'as dit à tes abonnés que cette vidéo était sponsorisée? Non mais t'inquiète, j'y viens. Alors comme Antoine a pu vous le dire, cette vidéo est sponsorisée par les logiciels Recoverit et Dr Phone. Et c'est quoi ces logiciels? Alors Recoverit, c'est un logiciel de récupération qui peut tous nous aider un jour ou l'autre, et surtout nous youtubeurs. Alors imagine que tu viens de sortir une vidéo et que par erreur tu viens qu'à tout supprimer, et bien avec le logiciel Recoverit, tu vas pouvoir tout récupérer. Et pour cela il te suffit juste de le télécharger grâce au lien qui se retrouve dans la description. Tu l'installes, tu le lances, et après tu pourras retrouver tous tes fichiers perdus, que ce soit des photos, des vidéos, des fichiers corrompus et bien plus encore. Personnellement, moi je pense que tout le monde devrait télécharger ce logiciel parce que je sais à quel point c'est chiant de perdre ses fichiers. Mais à partir de maintenant, si vous téléchargez Recoverit, ça ne devrait plus arriver. J'avoue, c'est pas mal en vrai. Mais c'est quoi déjà le deuxième logiciel que tu devais présenter? Eh bien, c'est Dr Phone. Dr Phone, c'est un logiciel qui va te permettre de gérer les données présentes dans ton téléphone. Alors je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de ne plus avoir de place dans ton téléphone à cause des milliers de photos que tu as. Et bah par exemple, tu vas pouvoir, et tout ça par le biais de ton ordinateur, récupérer toutes tes données, déverrouiller ton téléphone, transférer tes messages WhatsApp sur ton PC, et encore, ce n'est qu'une mineure partie de ce que vous propose ce logiciel. En plus de ça, pour les soldes d'été, tu as le droit à un rabais de 30% sur tous les produits. Alors si t'es intéressé, va jeter un petit coup d'œil dans la description, il y aura tous les liens nécessaires. Bon allez, sur ce, la session promo est terminée et on passe au sujet principal de cette vidéo. Moi je raccroche. Bon alors ça y est, je viens de rentrer de course et j'ai trouvé toutes sortes de bonbons pour faire ce 24h. Et actuellement, regardez l'heure qu'il est. Il est 9h37 et on est le jeudi 16 juillet. Et pour bien débuter cette journée, j'ai pris deux paquets de bonbons pour le petit déjeuner. Alors le premier, c'est des œufs au plat, voilà, c'est un classique. Et le deuxième paquet, alors c'est des bonbons un peu moins connus du grand public parce que voilà, c'est pas tout le monde qui en mange. Mais perso, moi je kiffe ça et je crois même que ça fait partie du top 3 de mes bonbons préférés. Et donc c'est des gummies, donc ça voilà, je crois que c'est la sous-marque. Mais en gros, c'est des espèces de gomme à la menthe et franchement, c'est super bon. Alors n'hésitez pas à me dire dès maintenant dans les commentaires quels sont vos bonbons préférés. Moi je crois que j'en ai même pas parce qu'en fait j'aime tous les bonbons qui existent. Donc pour commencer, je vais ouvrir le paquet de Hopla. Oh non, putain, je l'ai ouvert n'importe comment, regardez-moi ça, je l'ai ouvert n'importe comment. Allez-y, servez-vous, prenez-en un, il y en aura pour tout le monde. Ouais non, quoique, prenez-en quand même. Donc c'est parti, let's go, hop, bon appétit à tous. Alors ça c'était le premier bonbon de la journée donc ça passe tranquille. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps je vais vite en avoir marre. Encore une fois, cette vidéo c'est le diabète incarné. D'ailleurs je sais pas si ça va être pire que la vidéo que j'avais faite là où je devais mélanger tous les sirops. Mais déjà que c'était dur, alors j'imagine même pas celle-là. En tout cas voilà, moi je vais me poser devant un dessin animé. Alors je sais même pas ce que je vais mettre, je vais écrire dessin animé. Je vais mettre Gulli, hop, même Corneille et Bernie, la base. Allez c'est parti, let's go. Bon alors attendez, hop, je m'y pose. On va tout de suite ouvrir ces bonbons à la menthe. Alors je viens de voir que c'est des vegans en plus, alors dédicace à tous les vegans qui regardent cette vidéo. Mais non mais wesh, je suis maudit, regardez. Le paquet il s'est encore ouvert n'importe comment. C'est parti, goûtons, enfin goûtons, moi je connais déjà mais c'est super bon vraiment. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, ça ressemble à des petites boules comme ça. Moi je kiffe ça, je les mange 3 par 3 wesh. Allez je remets play à Corneille et Bernie. Et ben voilà, c'est fini les gars. L'épisode de Corneille et Bernie est terminé. Moi j'ai grignoté quand même pas mal de bonbons tout au long de cet épisode. Franchement c'était pas mal, maintenant là je pense que je vais aller me brosser les dents. Parce que sinon bonjour les caries. Et voilà. Bon alors voilà, il est actuellement un peu plus de midi et c'est de nouveau l'heure pour moi de manger non pas un bon repas mais bel et bien des bonbons. Ah super. Donc là je vous cache pas que j'ai quand même pas mal faim. Et pour ce repas j'ai décidé de prendre ces bonbons là. Des langues de chat, des malabar. Et pour terminer, des bonbons que tout le monde aime, des réglisses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ça. Moi perso en vrai ça va, j'aime bien. Je comprends pas les gens qui disent qu'ils aiment pas. Alors c'est parti, let's go. On va commencer par manger les réglisses. Franchement en vrai de vrai, je sais que personne n'aime ça. Moi je dois être bizarre, j'aime bien ça. Je dirais même que j'adore en vérité. Hop. Pour ceux qui mangent des réglisses, est-ce que vous mangez tout en entier comme ça ou est-ce que vous dépliez? Bon, moi je fais partie de cette team, hop, qui le met en entier dans sa bouche. Je vais me chercher à boire parce que j'ai soif. En fait je me pose la question, comment on ne peut pas aimer les réglisses? Parce que ça va, c'est pas si horrible que ça en vrai, moi j'aime bien. Hop, on va tout de suite en reprendre un. Ah bah celui-là il est déjà déplié, bon bah on va le manger comme ça. Là je suis sûr que je peux dire, allez-y servez-vous, le paquet sera toujours aussi plein. C'est ça l'avantage d'aimer les réglisses. Si jamais t'achètes un paquet et qu'il y a tes potes autour de toi, t'es sûr que personne va t'en prendre. Bon allez, ça me saoule là, c'est bon.
Dès à présent, on va passer aux langues de chat. Ces bonbons-là, je les kiffe, vraiment, je les surkiffe. Donc c'est parti, on va ouvrir tout ça. Oui. Bon, mes préférés, c'est les oranges et vertes, c'est les meilleurs. En vrai de vrai, tu vois, c'est bien beau de manger des bonbons pendant 24 heures. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui rêveraient de pouvoir faire ça. Mais en vérité, ça nourrit pas beaucoup. Genre là, moi j'ai super faim et j'ai beau manger des bonbons, en fait, toujours aussi faim qu'avant. Et puis à mon avis, mon organisme, il doit pas trop kiffer, je pense. Bon alors, on a goûté les oranges et vertes. Maintenant, on va goûter les rouges et jaunes. Elles sont bonnes aussi, mais elles sont moins bonnes que les oranges et vertes. Donc ça, c'est cassis citron. Pas mal, pas mal. Passons dès à présent au malabar. Voilà, donc j'ai pris des chewing-gums, comme ça, ça va me permettre de patienter jusqu'à 16h, donc pour le goûter. Alors, on va ouvrir. Oula. Voilà, donc j'ai sorti un chewing-gum de chaque goût. Donc c'est parti, je ferme les yeux et je mélange. Hop, et je vais en choisir un au pif et je vais prendre celui-là. Oh non, putain, c'est le goût Tutti Frutti. Oh non, je voulais celui-là, moi, la barbe papa. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu. Alors je vais tout de suite l'ouvrir et je vais même me faire le tatouage. Ah, ils sont durs. Et le tatouage que j'ai eu, c'est une plume. Alors je vais me le faire à côté de celui que j'ai déjà, comme ça pourrait peut-être faire un style. Comme ça me paraît pas mal. Oh non, c'est laid, ça va être laid, ça va être très très moche. Mais wesh, il colle pas. Ah, ça tient les poils de ouf. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Regardez-moi ça. Bon allez, je vais l'enlever parce que franchement c'est super moche. Ok, alors c'est bon les gars, regardez, j'ai enfin retiré le tatouage que je m'étais fait sur la main tout à l'heure. Et regardez l'heure qu'il est actuellement. Il est 16h24. Et qui dit 16h24 dit que c'est l'heure pour moi de passer au goûter. Et pour ce goûter, j'ai prévu deux nouveaux paquets de bonbons. Des Skittles. Et ça, alors ça s'appelle des Bubbleys, je sais pas du tout comment on dit. Bref, vous voyez de quoi je parlais. Alors en vrai, tu vois, je suis content de manger des bonbons, mais là ça commence vraiment à faire trop. Comme je vous ai dit pour le repas du midi, en vrai j'ai faim, mais de manger des bonbons en fait ça me nourrit pas. Genre j'ai encore plus faim qu'avant. Mais bon, c'est le challenge. Alors c'est parti, on va continuer à bouffer ça. Alors par quoi on va commencer? Vas-y, je vais prendre les Skittles. Donc c'est des Skittles aux fruits, hein, rien de plus basique. Et on va manger, je pense en vrai je vais manger avec un seul sac. Parce que sinon je vais vraiment mal finir avant la fin de la vidéo, c'est sûr. Ah, c'est chiant à ouvrir ça. Oh, c'est trop, j'en ai trop mis là. Franchement d'habitude je me force pas pour manger des bonbons. Mais là je me force limite, tu vois, genre. Y'a même plus le plaisir, j'arrive même plus à les avaler. Oh, j'ai envie de pisser, attendez je reviens. Ah, je suis de retour les amis. Bon alors c'est pas tout, mais il me reste quand même pas mal de Skittles à finir. En fait limite j'ai même pas envie de manger parce que ça me dégoûte. Le sucre là, oh, trop bien. Regardez tout ce qui me reste. Est-ce que je me tape un shot de Skittles? Vas-y, je suis chaud. Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Oh la vache. Là, je crois que mon corps, ça va devenir un bonbon géant en fait. En plus, j'ai même pas une bouteille d'eau autour. Hein. Faut que j'aille chercher, je vais mourir. À la vôtre, hein, en fait. Hein. Ça fait trop du bien. Bon, honnêtement, les Skittles là, ça dégage. Oui. Et passons dès à présent aux Bubbleys. J'avais zappé que j'avais ça encore à manger. Putain, il me regarde là avec ses yeux là. Ça va mal se finir tout ça. Je suis sûr derrière votre écran, il est genre 1h ou 2h du matin quand vous regardez cette vidéo. Et vous vous dites, waouh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir manger des bonbons comme ça. Qu'est-ce que j'en ai envie. Et vous regardez un mec qui justement n'en a pas du tout envie. Et limite, tenez, en fait, prenez-les. Je vous les donne, vraiment, j'en veux pas. Allez, let's go. Trop bon, j'adore les bonbons. Waouh, quel plaisir. Par contre, je crois que je vais en manger que 3 et après ça sera bon. Allez, c'est bon. On peut même pas appeler ça un goûter, wesh. Là, c'est mort, j'en mange plus. Enfin bon, voilà, le goûter est terminé. On se retrouve tout à l'heure quand il sera 19h30, même 20h, je pense. Faire une petite pause pour le moment, hein, sur les bonbons, on va se calmer. Parce que franchement, j'en peux plus. Ok, voilà, voilà, regardez actuellement, il est 19h40. Je me suis installé dehors pour ce dernier repas parce que voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de manger dehors. Enfin, manger, c'est un grand mot. Mais bon, c'est parti pour ce repas. Regardez ce que j'ai pris. Donc, j'ai des carambars et c'est des goûts fruits parce qu'au caramel, je déteste ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Hein, perso, je déteste ça. J'ai des Scooby-Doo et pour finir le dernier paquet de cette vidéo, c'est des schtroumpfs qui piquent. Alors je vais pas vous cacher qu'en vérité j'ai pas spécialement envie de manger ça, mais faut se forcer un petit peu. Alors c'est parti, je vais commencer par les Scooby-Doo. Donc regardez-moi ça. En vrai ces bonbons je crois qu'ils sont pas trop mal, mais j'ai pas envie d'en manger. Wesh, attends, il part trop là. Ah la vache, il allait pas se sauver celui-là. Ça va, ça passe bien en vrai. D'ailleurs en parlant de Scooby-Doo, je crois que je suis le seul mec au monde qui a jamais réussi à en faire. Enfin bref, je vais ouvrir les schtroumpfs. Ah putain oui c'est vrai, c'est des schtroumpfs qui piquent. Je préfère ceux qui piquent pas. Voilà, petite schtroumpfette. En fait c'est ces bonbons là qui sont vite écœurants. Genre ceux qui sont entourés de sucre et tout, c'est carrément trop écœurant. J'ai même plus envie d'en manger là. Ça me dégoûte à force les bonbons. Ah, voici les meilleurs bonbons. C'est clairement les meilleurs. Alors je vais prendre goût citron parce que c'est mes préférés. Et on va tout de suite lire la blague qu'il y a dedans. Pourquoi les fous aiment-ils les vélos? Parce qu'ils déraillent. Waouh, d'accord. Oh, ils sont durs de ouf. Oh, je me cache une dent là. Oh sa mère. Alors maintenant je vais en prendre un à la fraise. Il y a du vent de ouf là. Je peux même pas lire la blague, le papier s'est déchiré. Ah, attendez, j'ai réussi à la reconstituer. Pourquoi ne faut-il jamais raconter d'histoire drôle à un ballon? Parce qu'il pourrait éclater de rire. Ouais, bah ça a pas changé les blagues. Hein. Vraiment dans les commentaires, s'il y a un rédacteur de blague carambar, écoutez-moi pour le bien de la France, changez vos blagues. Renouvelez-vous un peu parce que celles-là font vraiment pas rire. Bon en tout cas moi je pense que j'en ai terminé là pour ce repas. C'est pas que j'ai plus faim, hein, mais franchement les bonbons ça me tente plus du tout. Là j'ai juste envie de manger un bon gros truc salé, tu vois. Enfin bref, en tout cas.
si t'aimes bien ce genre de concept sur la chaîne, bah n'hésite pas à liker la vidéo, à me donner d'autres idées de challenge que je pourrais faire en commentaire. Mais surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de venir me follow sur Instagram. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de tourner cette vidéo et de la partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, mais d'ici là, restez présents sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'était Pierre. Ciao.